Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Top Step dans laquelle je vais te présenter le dashboard. Aujourd'hui on va voir un petit peu eh bien, ce qu'on peut faire avec euh, ce dashboard, quelles sont les informations qu'on a à notre disposition et à l'issue de cette vidéo eh bien, tu sauras totalement t'en servir et voir quelles sont les informations que tu peux obtenir. Avant d'aller plus loin, je t'invite à télécharger le calculateur automatique que j'ai créé spécialement pour Topstep qui intègre des règles de money management, notamment les tiennes que tu vas pouvoir personnaliser. Et en fonction du capital que tu vas choisir, 50, 100 000, 150 000, et en fonction également des règles de gestion de contrat maximum de Topstep, eh tu pourras indiquer les données qui sont propres à tes trades et avoir exactement la taille de position qu'il te faut. Pour bien trader sur ce challenge et rester euh, dans les cordes, rester dans les règles, donc n'hésite pas à te le procurer. Le lien est en description pour te présenter euh, ce, cet écran d'accueil. Je j'ai pris un compte sur lequel je suis actuellement euh, à mon 150 000 que j'ai commencé il y a un petit moment. Tu vas le voir et je suis assez content finalement de te montrer euh, cette euh, ce, ce challenge pour illustrer effectivement le dashboard parce que tu vas voir que tout n'est pas rose comme on peut le dire. Faut pas penser que je l'ai déjà dit, je crois, dans un, dans un des autres tutos, mais c'est pas parce qu'on a euh, du capital qui Va nous être alloué ou qu'on n'engage pas forcément notre capital directement, hormis le fait de payer l'abonnement, que ça va être plus simple. Loin de là, c'est tout aussi compliqué. Il y a une, un autre aspect psychologique qui peut intervenir avec notamment bah, la gestion de ne pas être en dessous des règles ou alors quand on est proche de l'objectif, et on va parler dans un instant, bah, c'est pas toujours évident de euh, marquer le dernier point pour gagner. Comme on dit, c'est un peu comme au tennis. Hein. On sait souvent que les balles de match, bah, tant qu'on n'a pas gagné cette balle de match, bah, le match n'est pas fini. C'est un peu ce qui m'est arrivé d'ailleurs sur ce challenge. Donc, je te propose. Qu'on rentre tout de suite dans les détails, alors qu'est-ce qu'on va retrouver ici? On va déjà d'abord en haut à gauche, tu vas retrouver le compte sur lequel tu analyses ta performance. Donc là, j'ai décidé de prendre ce compte sur lequel je suis toujours en challenge, le son Test. Je sais jamais trop comment le dire. Ok, donc ça, déjà, c'est intéressant pour savoir sur lequel tu es. Fais gaffe que tu sois pas sur le practical, par exemple, qui est ton espace démo. Ici, on va être sur un, euh, une information qui va nous donner euh, le plus haut que j'ai atteint moi mais le plus haut que tu auras atteint sur ton challenge concernant ce compte ici on voit que je suis monté jusqu'à 158 000 avec un objectif à 159 000 pour euh, top step 150 ici on voit mon montant actuel tu vois du coup qu'il y a eu une jolie baisse on a perdu euh, 3500 dollars depuis euh, ce plus haut euh, alors c'est sûr que en montant ça peut paraître beaucoup peu en fonction de, du capital que tu as Toujours remettre bien évidemment dans un contexte de pourcentage c'est pas si énorme que ça et c'est surtout que j'ai connu une phase extrêmement compliquée sur novembre et décembre si tu m'as suivi un petit peu sur mairie quotidienne ou si tu me suis régulièrement sur telegram et ma newsletter où je partage mes performances où je partage les opportunités de trade des conseils et d'ailleurs n'hésite pas à nous rejoindre c'est totalement gratuit un lien également en description tu as dû voir que ça a été loin d'être simple ça m'a pas empêché de finir l'année relativement positive puisque j'ai fait en moyenne également je te l'ai partagé plus 2,25 r ce qui est pas mal en réalité. Enfin, moi, je, je suis très content de cette performance, mais c'est vrai que novembre et décembre, ça m'a accablé et tu vas le voir, j'ai effectivement bien mangé sur cette période. Heureusement qu'il n'y a pas que le day trading dans la vie. Euh, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on va avoir ici le montant le plus faible. Alors sur ce compte là, j'ai pas eu de drawdown, donc ça veut dire que je ne suis pas descendu en dessous des 150 000. Cette information, elle est pas très pertinente, d'ailleurs comme les autres, hein, c'est plus des repères on va dire. Enfin, Celui-ci, celle-ci, elle est importante, c'est l'actuel, il faut savoir quand même où on en est dans notre challenge. Mais le plus faible, en réalité, même si j'avais eu 149 500, 149 000, on s'en fiche un peu. Comme je dis souvent, le but, c'est pas de ne pas aller à 149 000. Le but, c'est d'aller à 159 000 dans le cadre du challenge top step. Donc ça, c'est juste pour te dire, en fait, est-ce que tu as dépassé ou pas la limite maximale sur laquelle tu ne dois pas descendre, qui est de 156 000, euh, ouais, 100, 145 500 pardon, sur, sur top step. OK, c'est le 150 000. Ici, le profit and loss net hebdomadaire 0$. Je fais cette vidéo un hein, lundi matin, donc il euh, n'y a pas tout simplement de, de trades encore qui ont été pris. Ici, le best day percentage of total profit euh, euh, 42,6. Pourquoi c'est intéressant cette information Parce qu'on a une règle dans les challenges top step qui dit qu'il ne faut pas que le meilleur jour soit supérieur à 50%. Typiquement, euh, 159 000 à faire sur un compte 150 000, ça veut dire qu'il y a 9 000 dollars de profit et donc il ne faut pas que je fasse plus de 4 500 dollars de gain sur un trade, sinon je vais excéder cette règle et il faudra du coup faire en sorte que les 4500 dollars fassent moins de 50% donc en fait je vais devoir faire plus de 9000 dollars juste sois vigilant on va pas chercher des sommes trop importantes et euh, ça laisse de la marge hein, parce que faire 4500 dollars avec un capital de 150 000 faut quand même y aller euh, ou alors faut tenir un très bon trade donc n'hésite pas à prendre tes profits ici tu vas voir ta meilleure performance en termes de jours donc euh, il y a un jour où j'avais gagné 1938 donc tu vois qu'on est assez loin finalement de, de, du montant maximum euh, pire jour, euh, moins 1000, moins 1016. Donc il y a une journée où j'ai perdu euh, ce montant-là. Ici, on va voir l'average winning trade day. Euh, donc ça, c'est combien je gagne en moyenne quand j'ai un jour gagnant. Et ça, c'est combien je perds en moyenne quand j'ai un jour perdant. Ici, tu as également les règles. Donc tu vois, atteindre et maintenir l'objectif de 9000 dollars et plus. Là, comme tu peux le voir, je suis actuellement à peu près à la moitié. J'étais quasiment arrivé au bout et puis. Euh, Quelques mauvaises décisions, quelques mauvais traits sont passés par là. On recule, ça fait partie du jeu. On le sait, hein, la ligne n'est pas totalement linéaire. Sur le moyen-long terme, elle l'est. Sur le court terme, il y a des pics haussiers comme D'ailleurs, au début de ce challenge, où je suis monté assez rapidement, et puis après, il y a une phase de correction. Et finalement, si on lisse, on retrouve bien cette, cette courbe de gain régulière. La meilleure journée, je vous l'ai dit, n'atteignez pas ou ne pas dépasser la limite de perte quotidienne de 3000 dollars. Tu sais, il y a un montant maximum, un pourcentage maximum au-delà de la performance totale, mais aussi daily sur laquelle tu n'as pas le droit de descendre. Ça pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. et On a l'information de toute façon ici, puisque j'ai jamais perdu plus de 1016 dollars en une journée. Et ne laissez pas le solde de votre compte atteindre ou descendre sans. Mille dollars, alors pourquoi j'ai ça tout simplement parce que, arrivé à un certain moment, le drawdown maximum euh, remonte à 150 000. Donc voilà, maintenant j'ai plus le droit de descendre en dessous de 150 Il Faut juste avoir cette information en tête. Ok, ici qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, on va retrouver euh, les informations. Start le 7 août. Ok, donc tu vois, ici j'enregistre la vidéo. On est en janvier. Ça fait un petit moment que je suis sur ce challenge. En réalité, j'ai assez peu tradé sur ce, sur ce compte, donc je vais te le présenter. Euh, assez peu tradé parce que je n'ai pas tout le temps eu des opportunités, je n'ai pas été tout le temps là non plus et je n'ai pas tradé que sur ce compte. Donc ce qui fait que le tout cumulé, je me suis retrouvé avec une trentaine de jours à peu près, on va regarder ça ensemble, sur les six mois à trader. Donc forcément, euh, ça prend du temps. Maintenant, euh, j'attire ton attention par rapport à tout ce qu'on peut voir. Bien sûr qu'on peut réussir un challenge top step euh, ou FTMO ou autre en euh, moins d'un mois. Complètement possible. Maintenant, ce n'est pas la norme. Et euh, surtout, si tu appliques des bonnes règles de money management, moi, je sais que par rapport à mon money management assez serré, assez strict, il y a peu de chances mathématiquement parlant que je réalise le challenge en moins de deux ou trois mois. Déjà, ça, de, de manière théorique, c'est quasiment impossible. Ou alors, il faut que j'ai euh, qu vraiment du succès, euh, une, une, un fort taux de réussite, plus que ce que j'attends de manière... Théorique en tout cas pour pouvoir le faire, donc ça c'est le premier point. Ici tu vas retrouver les jours complets et le pourcentage de jours gagnants. Alors, ça, j'ai jamais trop compris euh, cette donnée, je suis pas exactement sûr de ça. Je pense que ça prend pas en compte, enfin, ça doit ça doit prendre un, un certain calcul parce que j'ai eu, je pense, plus de 13 jours gagnants, quoique sur 30, ouais, pas sûr en fait. Sur 30, pas sûr. Parce que regardez, si je mets ma courbe de tout le temps ici, donc vous avez la possibilité, vous voyez, de voir les 10 derniers jours, les 30 derniers jours ou alors depuis tout le temps. Donc, on va reprendre depuis le début du challenge et on voit que ça c'est plutôt bien passé au débarrage où j'ai eu plutôt de la réussite, j'ai eu que, quasiment que des trades de gagnant, une petite phase de latéralisation ici où j'ai tourné autour des 154 000, phase d'accélération, un petit peu comme une courbe hein, en pleine tendance, on voit les phases d'accumulation, puis d'accélération, accumulation. Et... Série, euh, vous voyez euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 journées. J'ai fait euh, un TP, j'ai fait euh, 2-3 journées BE et pas plus. Et là, juste un, un très très léger trade gagnant. Donc, on voit qu'il y a des phases qui sont compliquées. Je trouve que c'est assez intéressant de se remettre cette courbe. Alors, bien évidemment, il y a que 30 jours de trading, donc ça ne représente pas grand chose en réalité, mais ça permet de, quand même de voir qu'on était pas si loin de l'objectif qu'on peut retracer. Et si on a réussi de monter de 150 000 à 158 000, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire les 154 400, tous 159 000. Il faut juste laisser le temps au temps et éviter de faire trop d'erreurs. Ah ben voilà, je suis bête. C'était écrit juste ici le nombre de trading days. C'était bien la peine de les compter. Je n'avais pas fait attention. Donc on a 34 jours de trading. Donc ici tu vas avoir vraiment tes informations euh, intéressantes. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette partie là. Cette partie un petit peu plus avancée qui va te permettre vraiment d'avoir une vision globale sur tes performances d'un point de vue mathématique. Moi, tu sais que sur le court terme, sur un mois, deux mois, trois mois, les performances ne m'intéressent pas trop. Ce que j'aime, c'est avoir de la donnée sur mes win rates, sur mes euh, ratios de risque-rendement. Parce que euh, mathématiquement, on sait que par exemple, hein, si, as, euh, si tu fais un win rate, disons, de 40% et que tu prends des ratios de 2 au minimum, bah, tu es largement gagnant sur le long terme. Pourquoi Parce que quand tu prends un ratio de 2, il te faut minimum 33% de trades gagnants. C'est des mathématiques pour pouvoir être break even ou, si tu fais plus, gagner de l'argent. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ça. Moi, ici, ici, tu as l'overview, pardon. Donc, tu vas pouvoir avoir vraiment quelques infos. Ensuite, on va avoir le average winning trade, qui est assez intéressant parce qu'il va te permettre de savoir combien tu gagnes à peu près. Par trade lorsque tu gagnes en performance, ok Donc ici on voit 757 dollars, c'est ce que je gagne avec le smallest winning trade. Tu vois le 98,16 dollars, tu te doutes bien que c'était pas mon objectif à aller chercher. C'est un trade que j'ai coupé quasiment BE, juste parce qu'on arrivait à la fin de la journée. Du coup, il me le considère comme un gain, alors qu'en réalité c'est presque un BE pour moi. Enfin, moi, quand je le partage avec les membres d'analytique Pro, je ne mets pas ça comme un TP. Je leur mets et j'ai fait BE parce que ça ne m'intéresse pas de dire j'ai gagné 0,1 R. Tu vois ce que je veux dire Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, c'est là où j'attire ton attention. En tout cas, tu vas voir ces informations. Tu vas voir également la même chose sur la perte moyenne. Donc, euh, en général, tu vois, je suis à moins 308. Pareil, je ne fais pas des stop-loss à 12,54 Ça, c'est lié à des petits BE avec les frais ou autres qui font qu'on est à ce montant-là. Par contre, là, on voit qu'il y a un petit excès sur mon money management, parce que je suis censé perdre moins 500 dollars maximum. On voit qu'ici, il y en a un qui est un petit peu abusé. Enfin, euh, et là, on a le pourcentage d'échanges gagnants. Donc 42% avec le win rate ici à 2,46, ce qui est absolument génial parce que finalement à 2.46, il y a besoin d'être bon une fois euh, sur 3.46, on va faire le calcul parce que je ne suis pas super bon. Il te suffit. Alors, si tu cherches hein, par rapport à ton win rate, combien il te faut euh, en pourcentage, bah, tu fais tout simplement 1 divisé par ton win rate plus 1. Donc ici, 3.46. Okay Et tu fais 100. Donc il me faut 20. Allez, on va arrondir 29% de trades gagnant pour pouvoir être gagnant. On voit que je suis à 42, donc c'est largement suffisant pour pouvoir dégager de la performance sur le long terme. Bien évidemment dans le cadre d'un challenge, ben on l'a vu, il y a des phases de hausse, des phases de baisse, euh, il y a quand même une part de réussite à avoir, et on va dire que la variance sur une petite proportion de temps a forcément plus d'impact parce que même si je fais 42% de win rate avec, euh, avec 2.46 en risque ratio, bah, il suffit que tu sois du mauvais côté euh, que tu commences plutôt par trois ou quatre trades qui perdent, bah, bien sûr tu peux broker ton challenge et pour autant ça fait pas de toi un mauvais trader donc ça n'oublie pas quand même cet aspect là qui peut être assez important. Et puis ici c'est sympa parce que tu as une sorte de journal de trading, tu as une, un journal de trading qui te dit un petit peu les trades que tu as pris euh, le, le plus haut à, que tu as eu, le plus bas que tu as fait, le nombre de que tu as pris, le total des frais des commissions, les average winning trade et euh, le temps moyen de tes trades. Et c'est pas mal parce que tu peux venir personnaliser, dire que si ça a suivi ton plan, quelle était euh, la chose la plus importante que j'ai apprise. Ça te permet d'avoir un pseudo journal de trading embarqué. Moi je le trouve un peu trop léger, c'est pour ça que je ne commande pas ici. Je t'invite plutôt à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le journal de trading où je te présente un modèle Notion et un modèle Excel qui peuvent t'aider à mon avis un peu plus que celui-ci. Mais ça reste quand même un outil sympa et ici tu as vraiment le bilan si tu cherches à comprendre un petit peu mieux. J'ai oublié... Ici, je t'ai fait la vision globale sur le dashboard, mais sache que tu peux bien évidemment aller dans le détail. Tu vois, par exemple, sur le mini-do, bah, on a exactement les mêmes infos. Là, oui, j'ai un, un pourcentage de trade plus petit, mais par contre, j'ai un, euh, un win rate pardon, plus petit, mais un risque ratio bien meilleur. Donc en fait, 27% de trade gagnant sur 3,76, on fait le calcul mathématiquement parlant, c'est bien évidemment largement, largement favorable. Puisque ici, ça fait quasiment du 1% qu'on va dire. Il faut donc être bon 20% du temps et je suis à 27%. Donc c'est largement bon. Si on va sur le gold. On a ici... Alors là, quelque chose qui est un petit peu au-delà finalement de ce que je fais d'habitude. Clairement, de manière générale, j'ai absolument pas 60% de trades gagnants. Et j'ai absolument pas, en tout cas, ces chiffres-là, 60% de trades gagnants pour 3.80 de, de RR. C'est plutôt que j'ai eu des bonnes dispositions sur l'or. Mais encore une fois, ça se trouve sur les 30 jours de trading, je ne sais pas ici si ça file. Bah vous voyez, j'en ai tradé que 5. Il suffit que ça soit super bien passé. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Ça soit assez nettement par rapport aux chiffres. Bah forcément, ça gonfle mes performances. Et je pourrais vous faire croire que voilà, hein, je fais une capture d'écran, je dis bah voici un petit peu comment je trade donc si vous voulez trader avec moi c'est 60% de win rate avec des ratios qui proche de 4 non, c'est faux. C'est juste que là, sur un très très petit échantillon, j'ai cet aspect-là. Et ça reflète un petit peu, finalement, ce qu'on a ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, cette année, de manière générale, globale, parce que celui-ci, je l'ai commencé juste au mois d'août, j'ai fait 2,25 R de performance par mois. Soit un petit peu moins que ce, ce qu'on a sur ce challenge. Euh, mais ça reflète bien, finalement, parce que ça, c'est six mois de l'année. On a 2,46, où notamment dans, ce, dans ce, cette combinaison, on a tout le mois d'août que j'ai plutôt très bien surfé, qui m'avait permis de faire un gros, un gros mois avec les autres challenges que j'ai. Et ça, c'est vrai. Vraiment... Euh, important je pense d'avoir en tête parce que on voit quand même que ça retranscrit sur quand même un certain échantillon de, de, de trade même si pour moi six mois c'est vraiment pas assez enfin, en fait c'est même pas six mois de trading ici parce que je vous dis j'ai pas tout passé sur ce top step il y a pas tout ce que j'ai fait et il euh, y a que 34 jours vous voyez donc c'est le mois d'août mais 34 jours c'est pas assez pour avoir vraiment ce recul Enfin voilà, j'espère que ça vous a aidé euh, pour euh, bien comprendre comment utiliser la plateforme. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à t'abonner, n'oubliez pas de télécharger le calculateur automatique et tu peux également me rejoindre pour avoir plus d'opportunités et de conseils, que ce soit sur TopTep ou ailleurs, sur mon canal Telegram et ma newsletter. Je te dis à très vite, ciao